Ça, c'est pas la fin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego review d'un petit polybag Lego Friends. Voilà, vite fait, on va en faire le tour, hein, vu que c'est un petit polybag quand même. Du coup, voilà, on va vite faire regarder. Du coup, on va commencer par la figurine d'Emma, hein, je crois que c'est bien ça. C'est bien et bien une figurine. Donc, du coup, on a du coup les cheveux classiques d'Emma, hein, la tête. Bon, je vais pas me prononcer sur l'exclusivité ou non, je suis pas assez calé en Friends pour ça. En tout cas, le petit torse chat blanc, plutôt pas mal. Et la petite jupette avec les jambes, enfin avec les chaussures magenta, c'est plutôt pas mal. Ça fait quelques éléments, genre j'en avais pas, et comme ça, bref. Après, bon, je joue pas avec les mots, je vais pas faire des custom friends, mais bon. La petite baguette magique, j'en avais pas du tout, je crois. Là, j'en ai deux, parce qu'en fait, bon, à la base, on est juste censé en avoir une dans la main et l'autre, c'est une pièce bonus. J'ai décidé de mettre les deux, au moins, voilà. D'ailleurs, sur le petit table, on a un petit tulipan blanc, il est trop mignon. Et la petite baguette qui est censée être une pièce supplémentaire, mais bon, je vous la mets là pour voir la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on peut la mettre là. Voilà. Ensuite, le seul véritable intérêt de ceci, c'est surtout la boîte. Hein. Du coup, on va ouvrir la boîte. Ici, vous êtes d'accord, vous avez le billet. Vous voyez où je veux en venir? Oh, il a disparu! Oh, il est revenu! Oh, il a disparu! Oh, il est revenu! Voilà, donc en fait, c'est tout simplement grâce à cette petite pièce-là. Là, vous pouvez voir la supercherie. Hop là! Et voilà. Tout simplement, il a disparu. En fait, on vient juste pousser. Ah! Ah, j'étais persuadée qu'on aurait pu faire ça à la main. Ah, ça vient automatiquement fermer la boîte. Ah oui, ok. Regardez, regardez ça. Ouais, bon, c'est pas ouf, hein. La supercherie. Non, mais non, mais ça va, ça se tient. Je veux dire, si on ferme la boîte au préalable, voilà, ça va. Petite déco au pied doré, juste là. Petite taille, parce que je pensais que ça ne t'aidait pas. Des petites tailles pour la déco, juste là. Turquoise, magenta, jaune, enfin, cool yellow. Voilà, on est sur voilà, une petite table de magie. Voilà. Ça reste pas mal, ça peut être décoré après, ça peut être mis d'ailleurs dans avec les autres sets, hein, de cette vague-là. Mais voilà, je vais quand même vous présenter, hein, ce set 30-414, la boîte de magie, je crois que ça s'appelle comme ça. Je l'ai vu sur Brickset, je crois que c'était 2021, de tête. Mais voilà, clairement, voilà. C'est pas ouf ouf, mais voilà, c'est un petit polybag assez sympathique qui fait le taf, et j'avoue je m'attendais pas à ce que ce soit aussi poussé quand même. Hop, voilà, attends, allez, un billet de 100, hop, voilà, vous avez plus, non, ça va, c'est quand même marrant, ça peut faire quelques petits jeux, et voilà quoi. Donc voilà, ouais, du coup c'est à peu près tout, hein, pour cette petite review Lego Friends. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Et voilà, bah du coup, c'était MCH Europe qui vous dit bye bye, abonnez-vous et dites-moi ce que vous en pensez une fois que j'aurai fait le post commentaire. Bye!